Je voudrais vous demander tous de vous lever pour observer une minute de silence. Pour tous ceux qui sont tombés dans la lutte contre le troisième mandat et dans les violences post-électorales, mais également pour l'élève Mamadou Seck qui vient de décéder il y a quelques semaines, qui était un militant de première heure et qui a tout donné à l'UFDG. La minute de silence. Je vous remercie. Je commencerai par souhaiter la bienvenue à l'UFDG, à celles et à ceux qui ont décidé de faire confiance à notre parti et à son président en adhérant à notre formation politique. Mes chers compatriotes, qui avaient pris cette décision, sachez que nous sommes honorés par votre décision. Et l'UFDG fera tout pour être digne de votre confiance. Nous avons des défis en tant que Guinéens. De nombreux défis à relever. Nous sommes fiers de pouvoir les relever avec vous. Et de bâtir déjà la plateforme de la réconciliation des Guinéens. Parce que je suis convaincu qu'on va accéder au pouvoir, unir et servir notre peuple, rassembler et réconcilier les Guinéens, comme je l'ai dit, par le pardon. Nous avons suivi en tant que parti, en tant qu'agence politique, beaucoup d'injustices. Beaucoup de nos compatriotes qui ont l'habitude d'être ici ne sont plus parmi nous. Des jeunes à la fleur de l'âge ont été tués dans la lutte pour l'instauration de la démocratie. Les gens ont tendance à dire que cette lutte était menée pour le pouvoir. Non. Toutes les manifestations organisées, c'était pour exiger le respect de la loi et des bonnes pratiques. On ne s'est jamais battu pour dire allons nous installer à Sékou-Touré. Nous avons voulu que les élections soient organisées à bonne place. On a dit qu'on était là. La Constitution était claire à cet égard. L'organisation des élections ne doit pas dépendre de lui-même, le président de la République, parce que c'est du domaine de la loi. Nous avons depuis 2011 mené ce combat pour exiger le respect de notre Constitution et des autres lois de la République. On nous a traités comme violents. On a tué nos cadres qui manifestaient parce qu'ils voulaient que la Guinée soit une société démocratique, respectueuse des droits humains et de liberté fondamentale. On a vécu le terrorisme d'État. Je n'aime pas rappeler ça, parce que je n'aime pas donner le sentiment que Dieu fait ses victimes. Parce que mon souci, c'est l'avenir de la Guinée. Pour que demain, les fils de ce pays se retrouvent autour de la table, se retrouvent dans les mosquées, dans les églises, pour accepter de se pardonner, pour que l'avenir soit protégé, pour qu'il n'y ait plus de haine et de violence injustifiée vis-à-vis des disciples. J'aime dire que personne d'entre nous n'a choisi d'être Guinéen, mais aucun Guinéen ne se verra à l'autre.
Nous voulons dans notre programme, dans notre projet de société, garantir l'égalité des droits et des chances de tous les fils de Dieu. Parce que c'est autour de la justice, c'est autour de ces valeurs qu'on peut bâtir et consolider l'unité de la nation. Pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Qu'ils aient les mêmes chances d'accéder à la fonction publique, à l'armée, au marché public. Quelqu'un groupe particulier ne doit être supérieur à un autre. Notre combat a été tout ça. On a déformé, on nous a attribué des intentions qu'on n'a jamais eues. Parce que notre souci, c'est que la Guinée soit unie et que l'égalité des chances et des droits soit garantie à ses enfants. Nous nous sommes tous réjouis de la libération de nos locaux. Grâce au colonel Mamadi Doumbé et à ses collègues qui ont risqué leur vie pour libérer la Guinée de la dictature. Nous avions mis des chélanes à l'époque. Saluer à travers une déclaration le sursaut patriotique qui a conduit notre armée nationale à mettre fin à la dictature et à prendre les destinées de notre pays en s'engageant. De mettre en place les institutions légitimes à l'issue d'élections inclusives d'une équipe de transport. Nous avions salué l'axe, mais on avait salué aussi l'engagement. Parce que cet engagement rejoignait le combat que l'UFDG et d'autres patriotes, d'autres démocrates, même depuis de longues années. Combattre contre l'injustice, contre la violation des droits humains, contre les arrestations arbitraires, contre les massacres de jeunes. Nous sentions dans leur discours la volonté de mettre fin à ces pratiques rétrogrades. Je n'aime pas revenir sur la gestion de la pandémie, je l'ai dit, ça c'est le passé. Essayons de construire l'avenir. Je me réjouis de voir des militants et cadres du RPG venir adhérer à l'UFDG, reconnaître la noblesse de notre combat, notre résilience, notre courage dans la défense des valeurs de la République. Je pense, comme je l'ai dit, c'est un début de réconciliation. La dernière fois qu'on s'est réunis dans cette salle, avec toutes les coalitions des partis politiques, je me réjouissais que l'UFDG et le RPG soient ensemble. Parce que demain, la réconciliation de l'exigera faudra qu'on se parle. Je disais le PIB et le RPG étaient là. Pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas rester dans le conflit. Certes, nous avons besoin de la réconciliation qui s'impose, la vérité, la justice, la réparation et les garanties de notre protection. Mais si on ne se parle pas, on ne peut pas se réconcilier. Je dis qu'il faut qu'on se parle. Et on a pu se parler, RPG, mais je vais remettre ce texte des choses d'ailleurs. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, c'est le Guinée. On doit se retrouver de même
per sortire dalla piaga della violenza, per costruire la vita di tutti i mesi, per consolidare le qualità che sono state trovate per cara la città giusta. Aujourd'hui, vous êtes dans un siège rénové. Nous avons récupéré nos sièges grâce à l'action de l'armée nationale. Nous n'avons jamais manqué. Je les félicite pour le courage. Vous faites tomber un dictateur, vous risquez votre vie. Vous risquez même l'humiliation parce que l'État ici, on a l'impression que l'État a toujours désormais le système comme une justice. Les avons pris ici. Les gens qui étaient là ont tout détruit. Le système de climatisation, de solarisation, ici, à CDG, ils ont fait des sacrifices. Ils ont négocié des armes et des patouchers pour mettre fin à la vie. Vous avez tous vu ici l'âme qui est venue de loin parce qu'il fallait détruire des choses. Mais Dieu est grave, et je le dis, il fallait qu'il s'était manqué. Imaginez tous ces enfants, 12 ans, 15 ans, qui ont été abattus. Et donc les parents n'ont pas eu droit à la moindre compassion, à la moindre justice. Dieu a fait que la dictature est tombée. Nous avons récupéré nos locaux. Tout était détruit. Aujourd'hui, on a deux fois plus de chaises qu'on en avait. Le parti n'a pas été ses enfants. Il faut le dire. Tout ce que vous voyez ici, ça a été réparé grâce à des bonnes volontés. Parce que certains, c'est des sympathisants de l'autre, de réfléchir. L'autre monde, c'est devenu insensible à l'injustice. Et qui ont voulu marquer leur solidarité avec l'unité. Parce qu'ils étaient admiratifs de notre résilience, de notre courage dans nos combats. On a tenu jusqu'au bout, malgré tout. On a refusé d'appuyer, on a refusé d'accepter que la vérité c'est le mensonge et que le mensonge c'est la vérité. On a eu à bénéficier de respect de notre peuple, parce que dans ce combat, le fléché est resté depuis tout ce malgré les emprisonnements, les tueries, la confiscation de nos locaux, la confiscation de nos droits et libertés de voyager, l'emprisonnement des principaux collaborateurs du président. On a tenu parce que nous sommes des hommes de confiance. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la rénovation de ces locaux et à leur équipement. C'est déjà été entièrement équipé. On n'a pas dépassé le droit. Ici, vous voyez, on a fait la pétition, on a aménagé les lieux, on a eu un forage, on doit avoir nos courants maintenant au siège. Tout à ça, parce que les gens ont voulu exprimer leur solidarité, leur soutien à un parti qui a été victime d'une injustice, c'est une arme. Des gens qui sont loin de leur péché, croyez-moi, qui ont manifesté leur solidarité, qui ont contribué à la rénovation et à l'équipement de nos locaux. Je tiens à leur exprimer le profond sentiment de gratitude de leur péché et de ses unités. Alors, nous n'étions pas seuls à nous réjouir de la chute du tyran. Tous les Guinéens connaissent tout ce jeu. Vous avez suivi la pièce populaire suscitée par l'action de notre âme. Je ne parle pas que de Bambéto, Bambéto c'est des naturels. La libération de l'Alpha, la suite du terrain, ne pouvait susciter la joie. Et surtout qu'ils ont vu le bilan passer.
Nous avons le péché de la race. Nous sommes exprimés. Nous avions demandé dans le premier communiqué au CNRP de considérer comme responsabilité primaire et prioritaire la mise en place des institutions de suite. Le régime d'exception est caractérisé par deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de difficulté à faire de nous. L'Assemblée est dissoute. La Constitution est suspendue. L'exécutif, censé être libre, aussi, est autorisé. Le pays est suspendu des instances de la CEDEAO, de l'Union africaine et récemment de l'ADA. Certains pays et certaines organisations internationales suspendent ou réduisent leur coopération en attendant le retour à leur position. Donc il est important pour le pays de se rappeler un peu plus rapidement pour remettre en place les institutions légitimes ici de la volonté populaire. Il peut se doter des scènes, c'est un consensus. Ce n'est pas une assemblée. On a reconnu le CNR, le colonel, comme président de la République, chef de l'État, le chef de l'État, pour diriger le pays, parce qu'il a risqué sa vie pour débarrasser la guerre du militaire. Mais il n'y a pas de légitimité minimale. C'est pourquoi on a décidé bien tard de dialogue permanent. Avec des délégations de toutes les forces, des délégations pour bien cadrer cette condition. On regarde ma petite expérience, un cadre de race devait comporter une délégation de CNV, une délégation du gouvernement, une délégation de CNV, une délégation des partis politiques, une délégation de la société civile, plus une délégation des partenaires de l'équipe de France. Pourquoi? Tous les dialogues qu'on a tenus ici depuis 2013, même si les conclusions de ces dialogues n'ont pas été respectées, le consensus a été trouvé parfois grâce à l'aide de facilitateurs. Parce que vous savez, nous sommes en train de dire, il y a une crise de confiance profonde à l'intérieur du groupe. Lorsqu'on a un partenaire neutre et impartial, il peut aider à rapprocher les questions, à aplanir les divergences. Parce que l'absence de dialogue peut être source de conflit. Nous devons éviter tout conflit. Et pour cela, il faut qu'on discute. Comme, surtout dans un contexte comme je dis, il y a plus de légitimité. Comme la forme de mon point de vue, ça demande de notre part, à nous tous, de l'humilité. Parce que personne, je ne peux pas dire bon, j'ai 2 500 000 électeurs ou militants, et que j'ai donc je détiens la vérité de personne ne doit considérer que je détiens la vérité. C'est ça, l'humilité. Confrontons nos idées. Comment sortir de la transition? Comment la colonie? De bonne foi. Que non pas qu'un groupe décide et impose aux autres ce qu'ils considèrent comme étant la volonté du peuple. Alors que si nous confrontons nos idées et nos points de vue, on peut se rendre compte que le meilleur choix, c'est la proposition de l'autre. Si on est de bonne foi, puisque nous sommes des agents rationnels, on peut aller de l'avant en évitant les conflits. Et alors, je sais que vous êtes tous déçus. Oui, déçus. Ma proposition de dialogue n'a pas été entendue. Par rapport
à la mise en place du CNP, les militants de l'FDC et des partis de la NAC ont dit pourquoi. Non, donc on a dit parce que, on va dire la vie, nous avons été reçus par le ministre de l'administration du territoire cette coalition. D'abord, on a constaté qu'on nous a appuyé 15. On n'a pas eu la possibilité de discuter de la charge de la transition. On n'a pas eu l'utile de dénoncer ce fait. Nous avons continué de lancer un appel au dialogue. Parce que s'il y a des délégations de vice, personne n'a peut discuter. Mais les grandes messes, pas les peuples, on ne peut pas discuter. De façon positive. Nous avons, c'est bon, il n'y a pas de problème. On a appuyé 15. Il semble qu'il y a 180 qui ont passé. Donc le ministre nous a reçu. Allez vous entendre. C'était un exercice difficile. Nous avons réussi l'exploit à obtenir un large consensus pour la répartition des 15. On ne peut pas obtenir l'unanimité. On n'a pas obtenu l'unanimité, mais on a obtenu un large consensus. On estime que si le FDG et les 23 partis de la NAS, si la COPEC, Ousmane Diawara et tous les partis qui y existent, si le RPG avec tous les groupes, avec tous les partis qui y sont, UPR, groupe, et autres, FNDC politique, s'il y a des news, il n'y a pas d'amis. Et d'autres qui étaient là, on a trouvé un consensus. On a estimé, on a trouvé d'abord des critères. Comment repartir 15 places dans 180 places? On a dit qu'il faut qu'on intègre le poids électoral. Parce que dans tous les pays du monde, le facteur qui permet de définir la préscience ou de discriminer, de départager les partis, c'est le pas électoral à travers le nombre de pays, soit à l'Assemblée, soit dans les communes. Sinon, vous ne pouvez pas départager. Chaque parti dispose d'un décret. Si on tous dit tous qu'on est égaux, et chacun des 181 partis veut un siège sur les 15, c'est la bagarre. Donc on a fait preuve de maturité et de responsabilité. On a trouvé des critères. Il a été décidé, grâce à la médiation d'Ousmane Doré et de Boris Cyrulnik, de retenir quand même le critère de participation aux élections et de poids électoral. En tenant compte des résultats officiels qui reflètent le poids électoral, bien sûr, le FDG et le FDG sont les partis dominants. Il a été décidé de ne pas utiliser le seul critère, parce que si on doit le FDG au lieu 7, le FDG 6, il ne resterait que 2 à partage. Mais il faut en tenir compte sans que ce soit le seul facteur parce qu'il fallait le pondérer avec tous. On a décidé de donner 4 sièges au RPG, 4 sièges à la NAC, 2 sièges au COPEC, 2 sièges à FNDC politique, je crois un siège à Fidel, un siège aux autres. On a reparti des deux. Conformément à la demande du ministre de l'administration du territoire. Mais c'était un espoir qui a suffi beaucoup que le RPG et le FDG se mettent d'accord et tous les partis qui étaient là étaient d'accord que la NAPS méritait 4. Et que le RPG à l'ancien méritait 4. Consensus large, je ne dis pas unanimité, parce qu'il y en a d'autres qui n'étaient pas. Certains même n'étaient pas là, on a réuni.
Donc, quand c'est retrouvé au niveau de l'Éphèse, elle est au niveau de la Lade. C'était aussi un problème qu'on a repartir 4 entre 23 places. On a fait preuve de responsabilité. Mais comme c'est le poids électoral qui a permis d'avoir ça, on a imaginé beaucoup de critères. On a des restrictions du poids électoral à l'intérieur de la participation aux élections. Parce que si on fait par région, on rentre dans ces choses, c'est compliqué, il y avait toutes sortes de propositions. On a trouvé à la NAP. Sans être d'accord, on a trouvé une consensus. On a dit, l'UFDG prenait 2, l'UDG 1 et l'UGDD 1 qui ont eu des élus à l'Assemblée nationale en 2013 et qui ont participé plusieurs fois à des élections. Un rapport donc, le rapport portant répartition des 15 a été déposé au ministère de l'administration du territoire pour dire qu'on a trouvé un large consensus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On ne sait pas. On constate que beaucoup de groupes ont gardé les sièges, mais que l'IFDG et la NAP ont fait la NAP, il ne reste qu'un siège de l'État. Ils ont enlevé les droits. Au IFDG, ils ont enlevé, il ne reste que 3. On était déçus. Vous aussi, je sais. On a fait un communiqué au niveau de la date, on a fait une réunion du chef. On a dénoncé ce traitement injuste à l'endroit de notre alliance. Ce n'est pas juste. Alors on apprend dans le CNV que beaucoup de gens, il y a des gens qui ont été coptés et mis de l'âme, alors qu'ils ne sont pas proposés par les structures. Ceux qui sont proposés par les structures, on les a écrits après. On a choisi des amis, déjà. Donc on fasse preuve de ce lieu. On a lancé un appel. On a dit au CNRD de veiller à ce que les décisions du gouvernement et des autres institutions de la transition soient justes et équitables. Parce qu'on doit préserver la paix et donc éviter l'injustice et les frustrations qui vont avec. Nous demandons, on n'a pas d'explication. Si ça commence comme ça, sans aucune base objective, on se retrouve avec une portion congrue de 1 sur 4. On n'est pas content. Je sais que vous n'êtes pas content. Donc, mais attendez. Alors, je veux vous dire, il faut qu'on continue la lutte. Mais il est important qu'on vous demande de rester mobilisé. J'ai dit, entre les élections, on s'est battu ici pour le respect de la Constitution et des lois de la République. On ne peut pas accepter que la transition soit déployée. Il y a des forces rétrogrades, des mêmes noirs, qui sont en train de faire des pressions sur le CNRD pour discriminer, pour exclure, pour dévoyer la transition. Le fléger, l'avance, on l'acceptera pas. Nous avons salué toutes les actions du CNRD. Nous sommes prêts à apporter notre contribution au succès de la transition. Mais on ne pourra pas accepter n'importe quoi. Nous lançons un appel au colonel Mamadou Doumbouya, qui a une responsabilité devant l'histoire. Nous savons qu'il a risqué sa vie pour faire tomber la dictature. Il faut qu'il résiste aux pressions divisionnistes, exclusionnistes, pour l'histoire
Pour qu'il fasse tout, pour que les mains noires et ceux qui sont animés de mauvaises intentions ne décident pas de lui. Il décide à son âme de conscience, conformément à l'engagement pris devant le peuple divin. Lorsque nous sommes contents, nous le disons. Nous avons salué ces personnes. Nous commençons à avoir des inquiétudes, nous le disons. Nous apprenons. Ah, il faut renouveler la classe politique. Il faut chercher des vieux. Notre combat, c'est pour que le peuple de Guinée choisisse ses dirigeants. Donc, en tant que des gens s'enferment dans un bureau pour choisir la place du peuple en disant que le peuple ne veut plus, plus des générations ne veut plus des anciens peuples ne veulent plus pas. Vous le savez. On n'acceptera pas les choses qui n'existent nulle part ailleurs. En France, les Français ont Emmanuel Macron à 39 ans. Ils n'ont pas pris une loi pour l'esprit des vieux. C'est par mesure démocratique que le jeune a été élu. Aux États-Unis d'Amérique, les Américains ont élu Biden à 77 ans. Ils n'ont pas pris une loi pour exclure les jeunes. On peut faire la campagne contre les vieux si on veut. Aller vers le peuple, dire je suis candidat, je suis jeune, choisissez la jeunesse. Mais des gens ne peuvent pas s'asseoir à Conakry, dire c'est nous qui connaissons la volonté de beaucoup de Français. Il faut que nous soyons, nous nous entendions. Si nous instaurons, nous voulons l'instauration du dialogue, c'est pour discuter. Le CRT est mis en place. On accepte le CRT par consensus. Personne n'a de la légitimité. Mais il faut qu'on sorte de la transition. Il faut qu'on soit d'accord. Comment se dit en attendant? Puisqu'il n'y a plus de cadre, sauf qu'il y a la charte de la transition. Et même la charte de la transition semble suggérer fortement le dialogue. Parce qu'il dit que la durée de la transition sera définie par le CNRD et les forces publiques. Ça signifie qu'on discute. Mais on ne peut pas discuter avec les grandes messes dans une salle comme ça. On demande aux partis de composer des délégations, qu'on s'assied de toute une table. On regarde les arguments, les arguments contre. Ça aide à préserver la paix et à prévenir le conflit. Et donc, vous êtes des responsables de tous. J'ai dit, nous avons passé pratiquement 11 ans à manifester et exiger le respect de la loi. Que Dieu nous préserve que nous devons manifester. Ce n'est pas notre vocation. Mais il faut qu'on se parle. Même avec Alpha Condé, ne respectez jamais les décisions du Sénégal. Mais chaque fois qu'il s'échoue, il attendait toujours que ce soit sans que la Bible soit parrainée. Pour appeler ses lumières, on va parler. On a arrêté tout ce qu'on a répondu. Les gens m'ont dit, il va te rouler dans la farine, ça a été parfois le cas. Mais on ne veut pas une manifestation. C'est un droit constitutionnel. Mais non, c'est à défaut de la volonté de dialoguer, de respecter les décisions issues du dialogue. Et on était convaincus que la loi nous autorisait à marcher. Mais c'est parce qu'il y a une violation flagrante de la loi. Le chien s'est refusé par là. Lorsqu'il a refusé d'organiser les élections législatives à Bondat, les élections communales à Bondat, les gens ne voient pas le motif pour lequel on demande une marche pacifique. Marcher pacifiquement était assimilé à une violence des manifestants. Alors qu'on sait que
qui était le bourreau, qui était le bourreau. Donc, il faut remobiliser la base. Je dis encore, c'est pas pour dire qu'il faut mener, il faut qu'on soit vigilant et prêt. Dénoncer d'abord ce qui nous semble incompatible avec les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Nous nous battons ensemble depuis 2009-2010. On a suivi beaucoup de sentences. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est lancer un appel au colonel Julien pour qu'il résiste. Les pressions vont être fortes. Les pressions qui visent les institutions, les pressions qui visent à se donner un candidat à défaut d'être candidat. Revenons à notre peuple la possibilité de choisir ce qui se passe au niveau local, au niveau législatif, au niveau de l'exécutif. Il sera ainsi le père, le véritable père de la démocratie indienne. Moi, mon combat est pour ça. Pour marquer notre soutien aux LRD, on a renoncé à la notre revendication de notre République. Comme ils ont annoncé des élections, nous, c'est notre sport favori ici, elles sont transparentes. On a le lieu de dire, on va mettre en place des commissions pour vérifier si on a gagné. Quand vous annoncez des élections, allons aux élections. Maintenant, s'ils disent qu'on ne peut pas aller aux élections, nous, on transforme ça. Il faut essayer de remobiliser les gens pour leur expliquer. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour l'organisation dans un délai raisonnable des élections inclusives, libres et transparentes. Pour que les Guinéens, comme je l'ai dit, choisissent librement leur dirigeant à qui le choisir. C'est pas comme ça la démocratie. Donc, merci encore d'être venu. C'est dommage qu'on ne puisse pas, pour des raisons de santé, pour reprendre nos assemblées générales habituelles avec nos artistes pleins de talent, avec tous les militants qui auraient pu venir. On a suffisamment de chaises, mais on a déjà, pour la prochaine fois, on a dit qu'il faut que les gens viennent avec la carte de vaccination. Avec le pass. Donc, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Aladji Boubacar Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale, qui s'est beaucoup battu dans sa vie. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent week-end.